Christophe Pélissier. Encore des regrets ce soir, hein, parce que ça ne veut pas rentrer. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'en deux matchs, même si ce soir on a moins d'occasions, parce que bon, on savait que cette équipe de Chambly était très forte défensivement. Elle l'a montré avec un bloc très solide défensif. Mais on a su les mettre en difficulté, on a su mettre de la vitesse, on s'est créé des occasions. Malheureusement, on marque pas. Et puis bon, voilà, je veux dire, un pénalty à la 88e qu'on met pas au fond, ça pouvait être le scénario parfait pour nous. Et c'est un scénario à la sortie, c'est un scénario cruel. Est-ce que vous pensez que les attaquants ou tous les joueurs peuvent commencer à douter offensivement? Au bout de deux journées, on ne va pas commencer à douter. Je crois qu'il faut continuer à travailler parce que les occasions, on se les crée. Donc c'est déjà une très belle chose. Maintenant, c'est vrai qu'on dit que dans le football, il faut être efficace. Ce soir, sur l'efficacité, je le rejoindrai sur notre efficacité défensive, parce que c'est aussi un match où c'est que on peut se faire piéger. Bon, on a été intelligent par rapport à ça. Après, bien sûr que lorsqu'on a cette occasion en or à deux minutes de la fin, c'est très 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 frustrant. C'est énervant de jouer une équipe comme Chambly. Non, mais on savait à quoi s'attendre, donc on n'a pas à être énervé là-dessus. On connaissait leurs points forts, on connaissait leur projet de jeu qui est assis sur une très grosse défense. Voilà, il fallait chaque fois sur des attaques placées, trouver de la vitesse, trouver de la profondeur, ce qui n'était pas évident. Je trouve que les joueurs l'ont assez bien fait parce qu'ils ont été patients, parce que la difficulté c'est d'être frustré et de mettre des ballons devant. Il fallait surtout pas faire ça, donc. Ce soir, il a manqué le petit but, ce petit but qu'on a su provoquer, parce que Samuel est bien rentré à la surface en prenant de la vitesse. Voilà, malheureusement pour nous, le gardien a bien joué le coup, arrête ce penalty. Donc, c'est une déception, mais bon, voilà, comme je dis aux joueurs, il faut continuer à travailler, garder la tête haute et l'efficacité, elle se travaille aussi tous les jours, donc on va travailler pour être encore plus efficace. À 0-0, quand on rate un pénalty à la 88e, parfois ça peut être interprété à la limite comme une défaite. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs dans le vestiaire à l'issue de la rencontre? Non, j'ai dit que j'avais vu les attitudes que j'attendais, parce qu'on savait qu'il fallait être face à une équipe comme ça, il fallait que dans les duels on soit vraiment présent. On l'a été, et après, je crois que il faut surtout pas que le résultat trompe d'analyse notre match, quoi, parce que si on avait gagné 1-0, on aurait dit que on a été patient, on a su l'être, mais on n'a pas. Malheureusement, on n'a pas converti cette dernière occasion. Il vous manque un grand gaillard dans la surface, non pour... Non, chacun joue avec ses qualités. Je crois que Vincent, devant, joue avec ses qualités. Il embête aussi beaucoup de défense. Après, si on a un grand gabarit, on joue différemment. Pour le moment, il manque l'efficacité de beaucoup de joueurs offensifs. Voilà, alors qu'il y a eu beaucoup de buts en match de préparation, les joueurs étaient en confiance. Oui, comme quoi, le football, c'est pas une science exacte, parce que on avait marqué beaucoup d'occasions, parce que ça a été créé. Entre le match de Belfort et ce soir, on s'en est créé aussi. Malheureusement, on n'a pas su convertir à une seule occasion. C'est le travail devant les buts, une nouvelle fois, qu'il va falloir travailler cette semaine à l'entraînement. Ouais, devant les buts, l'efficacité dans la dernière passe, il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler dans les 30 derniers mètres. Quand on travaille pour le staff maintenant, c'est remonter le moral au groupe, ça va être important ça. Oui, tout à fait. Après, il n'y a que deux journées, je crois qu'il ne faut pas, être abattu. Alors bien sûr que les joueurs, quand on a cette occasion à la fin, j'ai vu des joueurs qui ne renonçaient pas malgré la difficulté, et ça c'est important. Jusqu'à ce pénalty. Pas spécialement d'occasion contre nous, ni pour nous, donc ça, c'est ce qu'on était venu faire, cadenasser le match. Simon nous sort le pénalty au bon moment. Après, je m'interroge quand même, ça fait juste deux matchs de suite où on donne des pénalty dans les 5 dernières minutes, il va falloir qu'on pourra se là-dessus, parce que sinon, tôt ou tard, on sera puni et ça sera regrettable, quoi. Après, dans le match, on a été trop pauvre techniquement pour espérer autre chose, on pouvait pas plus que ça. Vous avez bien défendu. Ouais, on a bien défendu. Encore heureux, parce que sinon, on pouvait pas attaquer, en fait. On a calculé en premier temps qu'on était à 3 secondes 30 de possession de balle et on la rendait automatiquement. Et au premier blanc qui s'amenait, donc c'était compliqué, quoi. Bon, finalement, 2 points en 2 matchs, c'est pas si mal pour 2 déplacements. Surtout chez des prétendants, quand même. Entre Amiens et Colmar, moi, je les place parmi les 4-5 favoris. Donc bon, c'est sûr qu'au niveau comptable, c'est 2 points, c'est 2 bons points, quoi. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs au milieu du terrain à la fin du match?
Non, je leur ai dit que on a vraiment, ce que je viens de dire là, on a vraiment été d'une pauvreté technique limite consternante. Après, si on retient le positif, quand on arrive à prendre un point avec une aussi faible prestation offensive et technique, ça peut être aussi un bon signe. Et pourtant, vous considérez qu'Amiens ne vous a pas vraiment inquiété ce soir ? Moi, je ne le considère pas, je le vois. Donc, sauf s'il y a des gens qui ont vu des occasions, par contre, il faudra me remontrer les vidéos. Il n'y en a pas eu. Donc, de part et d'autre, d'ailleurs. Il y a eu un sauvetage à un moment donné sur un ballon qui allait rentrer pour nous. Bon, voilà, ça restait une action décousue, ça aurait été un coup de bol, quoi. Non, je pense que les deux équipes ont bien défendu, ont moins bien attaqué. Il y a eu des fautes techniques aussi un peu inhabituelles, certainement chez Amiens, plus habituelles chez nous, dues à la pluie. Ça fait longtemps que les joueurs n'ont pas connu cette météo-là, il faut se réhabituer. Donc voilà. Surtout en plein match. Quoi. Donc voilà, on va être un peu indulgent et concernant, enfin surtout les miens. Merci. Non, pas du tout le même match, parce que Colmar, bah, en fait, on a marqué assez tôt, donc après ça se livre, et puis... Non, j'ai trouvé qu'Amiens avait mieux défendu. Mieux défendu aussi. Donc, ils ont vraiment, Colmar, on était tout de suite dangereux. Dès lors qu'on récupérait le ballon, on se projetait et on était quand même dangereux. À Colmar, on a vraiment les situations de 2-0 et on n'aimait pas. Et voilà, à la fin, ça se finit comme on sait. Voilà, ce soir, c'était quand même... voilà. Ils avaient la possession, mais en même temps, ils nous privaient assez vite de ballon à 35 mètres. Donc, ils ont bien défendu aussi. Est-ce qu'il n'y avait pas l'idée de refaire, entre guillemets, un coup de Colmar, c'est-à-dire d'attaquer dans les 15-20 premières minutes, on va dire, ensuite cadenasser derrière, mais rester tout de suite cadenasser. Ouais, bon, à Colmar, on n'a pas spécialement attaqué tout de suite. Hein. C'est une balle dégagée à nos 16 mètres et ça s'est transformé en un contre tout de suite qui a fait mouche. Bon, voilà, après, on voulait surtout mieux jouer que ça, nos ballons offensifs. Là-dessus, on n'a pas été performants. Bah, après, voilà, il y a des matchs, c'est comme ça. Hein. Je maintiens ce que j'aurais dit. Voilà, quand c'est vraiment pas bon comme ce soir, et franchement, ça n'a pas été bon, mais qu'on arrive quand même à sauver l'essentiel, le résultat, et puis que quand même, dans l'ensemble, on a bien défendu. Voilà, je mets juste le bémol sur le pénalty, il faut qu'on arrête avec ça, parce que sinon, on sera puni automatiquement, surtout dans le money time. C'est dû à quoi, ça, pour toi? C'est dû, à un moment donné, c'est un manque de lucidité. Donc, la dernière fois, c'est Guillaume, là, c'est Michael. On défend à 5. Plus, il y a des milieux de terrain. Donc, à un moment donné, le gars, il est pas en face à face avec le gardien, loin de là. Il pousse. Il va centrer avant que ça sorte. Il peut rien faire d'autre. J'ai envie de dire, il reste encore 4, 5, 6, 7 défenseurs. Avec là, en faisant penalty, c'est coup fatal, quoi. Donc là-dessus, il faut être encore plus lucide et savoir qu'il y a encore des copains derrière. C'est danger, mais pas danger comme un penalty. C'est solide, et puis à la fin, donner des choses comme ça, finalement, on n'est pas solide. Et si on perd ce soir 1-0, on va dire, ils ont été solides jusqu'à la 85e. Donc à un moment donné, il faut être solide jusqu'au bout. Si au moins on peut faire que ça, et c'était le cas ce soir, au moins il faut l'être jusqu'au bout. Votre gardien a été remarquable ce soir. Hein. Ouais, Simon était bon, puis dans le pénalty, donc quelque part c'est un peu le héros de la soirée nous concernant. J'ai envie de dire, les gardiens, c'est fait pour ça, de temps en temps, il faut qu'ils brillent aussi. Donc ils nous gagnent un point ce soir, et on leur remercie, c'est bien. Merci beaucoup. Pour l'instant on bosse, on n'est qu'au début de championnat. On fait le nécessaire pour essayer d'être meilleur. Je pense que déjà, vous avez vu un honnête mieux que par rapport à Belfort. Maintenant, c'était pas un grand match de football non plus, on va pas se cacher. Techniquement, c'était très pauvre. Après, on aurait pu l'emporter sur un coup de pied arrêté. Mais ces matchs-là, il faut savoir les gagner au raccro aussi. Oui, bien sûr, mais ça se travaille. Il faut aller tout doucement, on est beaucoup de nouveaux, on est une nouvelle équipe, il faut que petit à petit que la mayonnaise prenne. Là, pour l'instant, ça prend tout doucement. Je vous dis, la semaine dernière, on a été très naïf à Belfort, on a perdu. Aujourd'hui, on a fait preuve de solidité, je pense, que ce soit défensive, beaucoup de rigueur surtout. Et on fait un match nul contre une équipe qui va être très très chiante à jouer. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est un très bon bloc. C'est une équipe qui joue très bien défensivement et qui donne tout pour garder ce point qu'ils ont au départ. Et ça fait deux fois de suite qu'ils arrivent à ramener des points de l'extérieur. On pointe déjà du doigt le manque d'efficacité offensive, alors qu'en match de préparation, ça cartonnait. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il y a une crispation ? Non, c'est ce que je disais la semaine dernière. Les matchs de préparation, c'était contre des équipes inférieures.
Après, on va pas commencer à tirer sur les attaquants. Attendez, c'est que le début. On a fait une préparation, s'il faut la digérer, il y a plein de choses. Et voilà, ça rentre pas pour l'instant. Et puis donc un jour, peut-être qu'ils vont en mettre 5, 6 et on en prendra peut-être 4. On gagnera le match. Et pour l'instant, on marque pas. On n'en a pas pris aujourd'hui cette place-là. On sait qu'un footballeur peut très vite douter, c'est pour ça que vous me dites ça. Il y a pas de... Si vous nous enfoncez, c'est sûr qu'on va douter, mais là, je pense qu'il y a un renouveau à faire, que ce soit dans tout le club, que ce soit dans le vestiaire, il a été fait. Maintenant, je pense que je ne suis pas le porte-parole du club, hein, mais je pense que vous, la presse écrite et la radio, il faut qu'on se mette tous ensemble. On a tous à y gagner dans l'histoire. Parce qu'un jour, vous allez être journaliste, vous, d'une équipe de Ligue 2, et nous, on sera des joueurs de Ligue 2. Alors, on a tous à y gagner en montant cette année, en faisant union sacrée tous ensemble et essayer de faire du mieux possible cette saison. Et comme l'objectif du club, c'est sur 2 ans et sur les 2 années, essayer de monter en Ligue 2. T'as failli être l'homme du match. Pour la mi-temps, tu décoches un tir. Oui, ça c'est... Excuse-moi Lionel, mais ça je m'en fiche mais complètement. Moi, c'est ce que je disais la semaine dernière. On m'a dit il y avait ta famille. Ça, je m'en fiche aussi. C'est le collectif. Collectif, on a un point. Homme du match, pas homme du match. Tu sauves ton équipe aussi. Oui, c'est très bien. Je suis là. Je suis payé pour être défenseur, pour sauver mon gardien quand il se trouve. Mon gardien va me sauver un jour quand il va se trouver. Mon défenseur, ça c'est pour un souci. Et puis un jour, je ferai faire marquer un attaquant. Un attaquant, on va défendre pour moi. Ça, c'est le football. Je m'en fous. Ouais, je suis désolé, Lionel. Je m'en fiche, mais complètement. Ça, c'est les à côté du football. C'est le résultat. Il y a eu 0-0. Maintenant, on va bosser pour aller gros match à Dunkerque parce qu'il nous reste encore 4 matchs. Là. Je pense qu'on a encore un mois très très difficile avec déplacement à Dunkerque, la réception de Boulogne et après Orléans et Châteauroux. Je pense qu'on a du boulot encore. Travailler oui, mais travailler quoi pour que les résultats arrivent enfin? Je suis pas entraîneur encore, mais je passe mes diplômes tout doucement. Mais là, vous verrez avec l'entraîneur. Déjà, je vais essayer de travailler déjà sur moi. Après, ça sera l'entraîneur de voir ce qu'il faut travailler collectivement. Merci, pour un plaisir. Encore une fois, des regrets. Il y avait matière à remporter ce match. Oui, des regrets parce qu'on a les occasions pour gagner. Ils ne nous ont pas vraiment inquiétés et nous, on a les occasions pour tuer le match. On ne l'a pas fait, donc forcément des regrets, surtout que. On avait vraiment pour objectif cette année de faire le maximum de points à domicile. C'est vraiment notre objectif, de faire du stade de la Licorne notre forteresse, que personne ne vienne prendre des points ici. Chambly l'a fait aujourd'hui dans notre premier match à domicile. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup de regrets, surtout quand on a les occasions comme ça. Après, on savait que ça allait être un match difficile, on savait qu'ils allaient nous attendre. On ne peut pas dire qu'on était surpris parce qu'on savait que ça allait être un match comme ça. Maintenant, voilà, on a manqué d'efficacité offensivement et il va falloir travailler là-dessus. En tant qu'attaquant, qu'est-ce qui t'a manqué précisément techniquement pour pouvoir tromper cette défense de Chambly? Concrètement, sur la fin, c'est clairement de l'énergie. C'est un manque de concentration, mais voilà, j'étais vraiment assez fatigué. Pour l'instant, j'ai du mal à tenir 90 minutes. Donc sur la dernière action de la fin, c'est ce qui m'a manqué. Après, tout le lendemain du match, on peut pas dire que j'ai eu grand chose à mettre sous la dent face au gardien. Mais voilà, on savait qu'on allait avoir peu d'occasions ce soir, mais qu'il fallait être vraiment efficace. On l'a pas été, malheureusement. C'est le leitmotiv de ce début de saison, les occasions ratées en deux matchs. Hein. Ouais, c'est ça, les occasions retour de match, alors qu'on avait fait plein de confiance pendant les matchs amicaux. On était très efficace justement pendant les matchs amicaux. Après, le match de la semaine dernière était un match à part parce qu'on a complètement déjoué. Même si on avait les occasions pour marquer, on peut pas dire qu'on a fait un grand match. On a vraiment déjoué le match de la semaine dernière, peut-être la pression du début de championnat. Ce soir, il y avait du mieux, il y avait encore les occasions, mais on les a toujours pas mis au fond. Donc il va falloir être plus efficace pour la prochaine journée. C'est déjà un problème? Non, parce que tous les joueurs offensifs, on est quand même plus ou moins en confiance encore, on ne doute pas du tout. Moi, pour ma part, c'est pas le cas. Après, je pense que pour mes coéquipiers non plus. Donc, vraiment rien d'alarmant, on est toujours très en confiance, conscient de notre force aussi offensive. Il va falloir prendre des points rapidement. Il va falloir prendre des points rapidement, surtout à domicile. Comme j'ai dit, l'objectif de cette année, c'est vraiment qu'aucune équipe
ils viennent prendre des points chez nous. Donc voilà, maintenant il va falloir commencer à gagner les matchs. Et Dunkerque, en plus, ce sera un sacré morceau pour faire là-dessus. Ouais. Après le premier match qu'ils ont fait contre Strasbourg, c'est clair que c'est une équipe qui va être difficile à jouer cette saison. Mais voilà, comme j'ai dit, on a vraiment beaucoup d'armes offensives. Et maintenant, à nous, les joueurs offensifs, d'être efficaces. Vous comprenez qu'il y a déjà des interrogations au bout de deux matchs autour de la MSC ? Des interrogations, non, mais de toute façon, c'est normal qu'il y en ait. Après, il y a eu 12 arrivées cette saison, donc forcément, la sauce peut-être met un peu de temps à prendre, mais bon, comme j'ai dit, pour nous, il n'y a rien d'alarmant, on est quand même vraiment encore en confiance, on sent notre force. Et vraiment, il n'y a personne dans l'équipe qui doute, on ne doute pas du tout, donc on sait que les points, ils vont arriver. Merci. Merci, je le sais.